et reprise des vidéos pour ma part après cette petite pause estivale. Et pour changer, ben, je vais vous faire une vidéo de maquette. Voilà, donc là c'est une maquette hyper rapide, c'est une maquette révèle là, en jouet pour les enfants, hein, qui en améliorant un petit peu, ça rend un résultat sympa. Avant tout, j'avais fini la Honda là, mais je vous ai toujours pas fait la vidéo, la troisième partie de la vidéo, pour l'avoir fini, parce que c'est une belle petite bête vraiment sympa. Et puis nous, bah, c'est parti, on va attaquer cette vidéo en vous souhaitant de bonnes vacances si vous y êtes ou si vous y allez, et puis une bonne rentrée si vous avez déjà fini vos vacances. Allez, à tout de suite. Voilà, ces maquettes, ça provient d'un lot que j'ai récupéré pour pas cher, et elles sont toutes estampillées, donc Revell, copyright 2019. Je pense que ce sont des reboîtages. Là, les deux A-Wings, je vous présenterai ça sur la chaîne du club Kid Copter Vitrol, parce que ça sera pour un projet de club. Et puis là, on attaque... donc le X-Wing de Po avec un petit tour de la boîte avec les images dessus, derrière, quelques photos derrière du modèle monté et des pièces et une échelle encore toute bizarre au 1/78e. Une notice très claire avec des gros dessins pour les enfants, c'est dessiné pour les enfants en 13 étapes. Et puis là donc les pièces, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de détails, hein. Elles sont assez jolies quand même pour un jouet, j'allais dire, hein, pour les 6 ans et plus. Et vous pouvez voir aussi un beau travail au niveau des panel lines. Voilà, là, c'est les deux sachets avec les plus petites pièces. Le montage, c'est parti. On attaque d'ailleurs par un montage en croix avec les ailes et puis après la base du fuselage. Après, il faut s'attaquer au petit moteur là qui fait les bruitages et qui fait le cockpit en même temps. Donc, je l'ai un peu juté et panel lineisé. Hein, vous comprenez. Et puis, hop. Là on attaque donc le montage, le petit panneau arrière à mettre, c'est peut-être pas forcément bien cadré parce que j'ai fait ça au club et j'étais certainement en train de papoter. On met le train avant, le bonhomme, le pilote, on reviendra dessus après parce que vous avez vu qu'il est tout blanc, il est pas peint. Donc ça fait franchement défaut quand on la monte pour nous, donc du coup elle va passer à la peinture la figurine. La verrière, très bien. Hop, on met le fuselage, on insère le tout, on met là, une petite retouche de panel line s'il y a quelque chose qui devait me gêner, les réacteurs, hein, ils ont un sens, hein, vous pouvez voir, les petites teux sont de différentes tailles, dessous il y a le copyright que j'effacerai par la suite, que je poncerai par la suite, et je mettrai un peu panel line dessus, ça fera une trace, et puis enfin les canons laser, où je pense que je manque de précision, mais c'est parce qu'il faut que je fasse des captures du film sur le 789 là, pour voir exactement la couleur des canons laser. Et puis derrière, une pièce qui va hop, sur le moteur. Et voilà pour un montage qui a duré, en fait, je l'avais chronométré, c'était 5 minutes 11 en étant tranquillou. Donc pour les enfants, c'est franchement top. Et pour un résultat, vous pouvez voir, vraiment sympa. Alors là, j'ai un peu triché sur le résultat parce qu'il est déjà, j'ai déjà mis pas mal de jus. Vous pouvez voir d'ailleurs l'état de mes mains. Avec du panel line de Tamiya, et puis au bas au fond, vous pouvez voir le non-oil, le jus noir également de Citadel, et ça lui donne une belle petite patine. Le pilote, donc hop, tout blanc, donc là je l'ai passé au Corax White, à la bombe, au primer si vous voulez, de Citadel, et puis après, donc je vais le peindre. En fonction, donc utiliser les livres, la documentation, voilà, là j'ai une belle fiche de Poe Dameron. Je peux voir sa combinaison, donc je vais faire par rapport à ce dessin. Et voici le petit pot d'Amron avec les pots de peinture, la bonne blague. Donc voilà, qui slash flèche, abandon black, le red. Et le 82 mat qui est très bien pour la combinaison. Ça lui donne un peu un aspect textile usé, c'est franchement cool. Et voilà, donc la mise en place de pot. Hop, par sécurité, je lui mettrai un petit coup de colle. Pas le perdre. Et voilà, pour un jouet, franchement, ça donne, qu'on améliore un petit peu avec quelques jus, ça donne franchement un résultat vraiment sympatoche. Voilà, j'espère que ce petit X-Wing vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça super fun. C'est facile, c'est pas cher, ça prend pas trop de temps et ça rend un résultat, ma foi, assez sympa. Et puis, je pense que j'aurais pas encore fait la vidéo de la partie 3, donc je pense que la prochaine vidéo, ça sera dans la même gamme. Hop! Le faucon. Allez nous, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.